Alors bah écoute, l'ingrédient essentiel peut-être pour réussir une lutte, c'est aussi pas oublier qu'on est là pour s'amuser ensemble, pour construire et créer des imaginaires, des récits collectifs. Et donc pas oublier l'essentiel effectivement de se dire bon bah on chemine ensemble, mais il ne faut pas que ça soit donc avec des outils très précis, des outils de construction d'intelligence collective. Et qu'on n'oublie pas aussi que dans tout ce cheminement de gestion de projet, parce qu'une lutte est un projet comme une autre, l'importance de la joie dans tout ça, et du oui on est là pour travailler, ça c'est vrai aussi pour n'importe quel projet, oui on est là pour rêver, on est là pour planifier, on est là pour être dans l'action, et en même temps on est aussi là pour célébrer tout ça, et célébrer et revenir peut-être à un concept de relation qu'on a un petit peu oublié, mais quel que soit le... On arrive très vite, on revient très vite dans des schémas traditionnels, alors qu'en fait, on est là pour autre chose. Il y a une dimension très à la fois psychologique et énergétique aussi dans tout ça, et de se dire on construit ensemble et on se connaît et on se prend pas la tête en fait. Et très souvent, des dynamiques s'arrêtent dans le monde associatif parce qu'on se prend la tête. Et on se prend la tête parce qu'on est épuisé, parce qu'on se prend trop au sérieux et parce qu'à un moment donné, on oublie de rigoler et de prendre l'apéro, tout simplement. Voilà.